Alors, en face, on va commencer à faire toute la grange, du coup. Est-ce qu'on agrandit la route ou pas? Est-ce que... Pourquoi j'ai des mouches de temps en temps qui me suivent? C'est parce que je viens d'aller voir les animaux? Non, j'en avais hier déjà. Bobby est là! Oui, on a plusieurs... Pardon? C'est quand la dernière fois que tu as plongé dans l'eau? Que j'ai plongé dans l'eau? Oui, dans du... Ben, ici, au début du live, je crois que j'ai... J'ai... Tu crois franchement qu'il y a un truc par rapport à la propreté? Je sais pas, ce serait énorme. Bah, elle a pas l'air sale et on n'a rien en truc au-dessus, donc ça m'étonnerait. On va arrêter d'aller se laver, hein, du coup. J'ai bien envie de mettre une deuxième fondation, quand même. Une deuxième pour élargir un peu le chemin. Pour mettre la grange en face, parce que la grange va être super haute, en vrai. Et donc... Et donc... Est-ce que... Comme ça, c'est bon? Ouais, comme ça, ce serait bon. Et comme la grange risque d'être grande, une toute petite route comme ça devant, ça va être pas top. Ok. Par contre, on va pas la faire... Trop large pour pas qu'il reste de l'herbe en plein milieu. Voilà. Ouais, comme ça c'est déjà mieux. Et on peut commencer à faire la grange là-bas. Alors pour faire la grange, comment est-ce qu'on va la faire? C'est avec ça. Et on fera l'enclos des vaches qui partira de la grange. Qu'est-ce qu'il fait, Kirani? Pas Kirani, trop... il veut pas nous rejoindre en vocal? Il peut, hein. Par contre, purée, mais que ça fait un boucan de malade, ce truc! Y'a pas moyen de les tuer? Enfin, oui, non, y'a pas moyen. Le but, c'est pas de les tuer tout de suite. Le but, c'est d'attendre un peu. Peut-être le fait d'avoir tripoté les excréments de cochon pour avoir de l'engrais. Ah, peut-être! Tiens, d'ailleurs, si on passait à côté de l'eau ici, non, peut-être pas là, plutôt, à côté des poules, ça leur apprendra à faire du bruit pareil. On va placer ça pour voir ce que ça fait. Par contre, me casse pas mes fleurs, hein. Ah, c'est juste un truc de stockage. Ça fait rien, en fait. En fait, on devrait le mettre du côté des cochons, mais... Ça crafte pas. Oh, c'est dommage. Je prends un cheval à moitié enterré. Tu vois un cheval à moitié enterré? Ouais. Où? Ce cheval là. Bah il est parfaitement bien mon cheval, calme-toi. Laisse mon cheval tranquille. Non mais... Alors la grange, du coup, 4. On va faire un sol. Est-ce qu'on va mettre directement... On va laisser un petit passage, hein. Avec ou sans paille, ça revient au même. C'est des lingots de fer. On a des lingots sur nous? Ouais, 81. Ok, nickel. Je propose qu'on mette celui-là. Par contre, on va peut-être pas le faire tout de suite. Là-bas. On va peut-être laisser un tout petit peu de place. On va juste s'assurer que ce soit droit. Ah, je peux pas. J'ai peut-être plus de planches. Si, on peut. Je peux plus. Ok, nickel. On va la faire de combien la grange? Pour qu'elle soit assez grande. Allez, vas-y. Ah mince, ça va rentrer dans le sol. Oh non, t'es sérieux? Ça rentre dans le sol. On peut peut-être la faire plus haute du coup. Ah mais une grange haute, ça c'est pas possible. Ça existe pas une grange qui est en hauteur. Je crois qu'il y a Choual qui fait joujou.
Oh, je peux pas le casser. Ah, mon marteau est cassé. Tu tires sur quoi, cheval? Les bandits. Ah, mais y'a des loups. Pense à renard. Il y a la guerre autour du village pendant ce temps. Ouais. Ça va, il y a la guerre, il y en a une qui tire. Faut pas exagérer non plus là. Tout de suite, tout de suite. Bon, on va aller se refaire un marteau. Pendant que le marteau fonctionne, enfin se craft, on va acheter le marteau. C'est ici, je pense. Ah, attendez, celui qui nous permet de. Celui-là. De casser celui-ci. Pendant ce temps-là, on va aller dans. Tu l'as mis dans l'armurerie, l'argent, ou tu l'as mis dans la banque? Dans le petit coffre qui est à côté de l'établi des armes. Bon, attendez. On va faire une déco-reco parce que là, ça me. Il manque les portes, il y a. Je suis prêt à bouger si jamais. T'es prêt à bouger? T'es où? Ah oui! Parfait. Bien. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, plat. Mon cher Kirani, qui m'a rencontré à... Tout le monde va le savoir. Hein. Ah, je suis désolée, tout le monde va le savoir. Qui m'a rencontré à la dernière... La Mia. Voilà. Non, bah, la... non, pas la Mia. À la dernière... au dernier rassemblement que j'ai fait. Et qui, gentiment, ne s'est pas présenté. Donc, je pensais que j'étais avec un autre ami youtubeur. Et donc, je pensais que c'était un viewer de l'autre youtubeur. Et en fait, il dit, mais non, moi, je suis là pour Linz. J'ai dit, mais pourquoi tu te présentes pas? Hein? Pourquoi tu te présentes pas? Mais grand timide, hein, que veux-tu? Ça y est, on a tout. Regardez, on a une porte. Quand même mieux, la porte. La prochaine fois, mignon, tu leur fais mettre un badge comme ça, même s'ils osent se présenter, ben, ils auront un badge mignon. Tu vois. J'ai failli acheter la peluche mignon dans un stand que j'ai vu. Ça m'aurait tellement pas étonné de toi. Une grande pancarte. Ah là 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 là. 2500, on va prendre et on va aller voir un peu. Je crois qu'on avait dit que le prochain bâtiment qu'on achetait c'était 2000, il me semble. Et je contrat. Tout, c'est parce que Vae m'avait fait une commande. Vae, t'as fait une commande? Voilà. Mmh. Les différents types de sel, voir qu'est-ce que ça donne sur le cheval. Elles sont dans le box. Dans la boîte. Pour qu'ils voient. Ah oui, effectivement. Parce que la selle numéro 6, en fait, il y a des grosses caisses sur les côtés du cheval. Oui. Ouais, c'est le maximum au niveau du transport. Horrible. Pour qu'il lâche des grosses caisses, c'est ça? Oh! J'ai la maison du shérif! GG. Et la maison du shérif, croyez-moi, elle me fait bugger. Mais je veux la mettre là. Ah mais non, je vais pas pouvoir la placer correctement. Pourquoi pour la maison du shérif, ils me font pas la vue du dessus comme avec les autres? C'est moche. Prendre une fondation pour fixer justement. Dites, j'avais pas posé plein de fondations là pour faire le. Mais comment ça se fait que toute l'herbe part pousser partout? J'ai plus de route. Non, c'est un bug, elle est toujours là. Non, le jeu n'est pas buggé du tout, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est un bug, il est toujours là. Comment moi je fais maintenant pour aligner mon bâtiment par rapport aux autres bâtiments? Hein? Comment je fais, moi? Comment je fais? Ah ouais, mais en même temps, c'est super cher, ce bâtiment-là, quoi. Donc, si je le mets pas bien, c'est ennuyant, en vrai. Alors attendez, on va plutôt essayer. C'est toute la route que j'ai déménagé. Bah non. Mais pourquoi est-ce que je peux pas le poser là déjà? Ok, je peux déjà. Ah, je peux le poser là. Je peux plus le poser là. Et pour les autres bâtiments, j'ai la vue du dessus.
Ce serait beaucoup plus... C'était beaucoup plus facile, je trouve. Là, je l'ai plus. T'avais je pas l'ai de pas. Bouton, justement. Attends, et si je me mets en... En vue première personne. Ouais, ça change pas grand chose. Je voudrais pouvoir aligner en fait le bâtiment sur celui-là. Mais c'est compliqué. Ou alors. Attendez, on va se mettre au coin là. Et normalement, là il n'y a plus de. Là il y a les fondations dans le sol, on les voit. Et là je devrais pouvoir. Ou alors je suis trop près du bâtiment qu'il y a derrière moi. En même temps, c'est le shérif, il peut pas être à 150 km de tout le reste. Non, ça ne va pas. Ah, c'est pas évident hein, de placer ça. En même temps, je me demande si je peux pas ne pas le placer... À cause de... Ah! Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Faudrait que ça soit aligné par rapport à ça, là. Mais là, je pense que ça pourrait l'être. Maintenant, je voulais faire une route plus grande. On le place? Allez. Allez! Ce jeu de troll, à mort. Je ne fais que me troller. Alors maintenant, comment est-ce qu'on est... On est... Oh ! Pas tout à fait ça. Hein. C'est pas tout à fait ça. Et ça, c'était pas censé être dans le sol ? Ah, mais c'est trop... Mais pourtant, il y a ça là. There is a sheriff in town. Ah, on peut l'acheter. On peut le recruter, en fait, aussi. Je ne veux pas le dé... Je ne veux pas. Ah, laisse-moi partir. Je vais sortir par là? Non. On peut rentrer en prison? Non. Et on peut mettre quelqu'un en prison? Comment? Ah, à mon avis, c'est en demandant au shérif. Et plus de bruit. En le demandant en. Vas-y, va nous arrêter Monsieur X ou Madame Y. Je crois que c'est un bug, hein. Ça, c'est pas censé apparaître. Est-ce qu'il faut avoir une certaine moralité pour pas aller en prison, tiens? Une certaine moralité pour pas aller en prison? Moi, bon, je suis à 80 en moralité, c'est pas énorme. Ici, c'est top. Ce ne serait pas le chemin que tu as fait, que l'on ne voit plus, qui gênait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai voulu passer ce bâtiment-là, ça m'a fait la même vue que quand je veux placer ça, là. Non, attendez. Ça. Ah! Je peux plus le faire. Mais ça, je crois que c'est parce que j'ai pas les ressources. Ouais, c'est parce que j'ai pas les ressources. C'est une vue vraiment, mais tout en haut. Et ce qui fait que c'est facile à placer ces bâtiments préfab et à organiser la ville. Mais là, je sais pas pourquoi, ils me laissent pas le faire. C'est bizarre. Et comme là, il y a une table de craft... Ah, ça y est, on la voit, la table de craft. On va relancer une petite... Une petite flopée de planches. Parce que maintenant on est dans une session où on a besoin de planches. On va faire ça. Voilà. Seulement? Ok, 360 planches. Elles vont se faire petit à petit. On en a encore quelques-unes et il y en a encore dans le coffre. Hein. Donc ça c'est pas mal. Et c'était quoi qu'il nous fallait pour construire ça, du coup? Des planches et lingots de fer. Planches, lingots de fer. Et il fallait un autre truc pour construire ça. Non, c'est ça. Mais là, il me le fait plus non plus. Je crois que j'ai un bug. J'aurais dû attendre avant de le placer. J'aurais dû attendre. Je crois que j'ai mon personnage qui est bugué. On va quitter le jeu et on va retourner dessus. Parce que normalement, quand je regarde cette vue de cette grosse ce silo à maïs, enfin céréales, ça me refait cette... Et là, ça ne le fait plus. Cet effet un peu éloigné. Et maintenant, à tous les coups,
À tous les coups. Non, attends. Non, arrête. À tous les coups. Ah, ça marche pas. Mais Joal, quoi, ça fonctionne pas. Mais si. Mais Joal, ça fonctionne pas. Je fais quoi maintenant? L'important c'est d'aimer pour tout donner, l'important c'est d'y croire. Ouais, mais j'y crois, hein. Enfin j'essaye, mais il me rend pas la vie facile. Hein, Est-ce que c'est tout simplement parce que je suis... Mais Joal, tu savais pas me le dire? De quoi? Oh. Non rien, c'est pas grave, j'ai trouvé, c'est pas grave, tout va bien. Ouais ça va, c'est pas encore si pire que ça. Ça aurait pu être, être pire. Bon, on a besoin de lingots de fer. Dites, ils sont où les lingots de fer? Ah, bug de Discord, les gens. Attendez un petit peu que ça revienne. Nous avions besoin de planches. Vous avez besoin de rien d'autre? Ah, ça va. C'est mon marteau que j'avais besoin! Très bien. Et il nous reste combien de sous? 500, on peut rien faire avec 500. On va voir peut-être. Ah si, on peut faire un truc avec 500! Si, si! On peut faire un truc avec 500! Alors attends, viens ici. Attends, viens ici. Voilà. On laisse le jeu se calmer. Voilà le marteau. Destroy Station. Non, peut-être pas qu'en main à main. Marteau à rail. Oui, je sais qu'on est parti sur autre chose, mais je m'amuse un petit peu quand même. On peut s'amuser. Ah, qu'est-ce qu'il faut? 5 lingots de fer, 4 planches, 30 pierres et 20 sables. Ah, il va nous falloir des sables, hein. J'ai pas ce qu'il faut. Mais maintenant, on a pour faire des rails. Et après, il faut racheter tout pour faire des sous-sous pour pouvoir racheter des chouchous pour mettre dessus. Vous avez compris avec chouchous, hein. Vous faites pas, pas besoin de vous faire des dessins. Les petits trains. Voilà, la locomotive. Oh. Pascal au bistrot. C'est un jeu de mots. J'avais compris, j'avais compris. En même temps, ça vient d'Agonos, hein. Qu'est-ce que tu voulais qu'il... Ouais. Qu'est-ce que tu voulais que ça fasse d'autre qu'un jeu de mots? Pardon, jeu de mots. Il y en a qui parlent en alexandrin, d'autres qui parlent... Ça marche aussi. Tout à fait. Attendez, j'avais oublié que j'avais pris ça. Ah non, on peut pas la mettre? Faut pas que je la mette sur des fondations, t'exagères. Ah. Là, je crois que c'est les... Non. C'est les planches du bas, vous croyez, qui m'ennuient? Non. Parce que là, je pourrais pas le mettre là, si c'était les trucs du bas. Pourquoi est-ce que je peux pas le mettre... à mon avis, c'est par rapport à un problème de... C'est à cause de tes escaliers. Ben non, parce que regarde, là, je peux le mettre en plein milieu du chemin. Donc, c'est pas à cause des escaliers. C'est là que je peux pas. Et là où j'ai pas d'escalier, je peux pas le mettre. Bon, là, il y a un puits, mais... Donc là, à la nuit, si c'est à cause de mes escaliers, je veux bien, mais alors là, je pourrais pas le mettre. Je comprends pas. C'est pas grave, ce jeu m'aime. On le sait que ce jeu m'aime. On la mettra par là. On sait que ce jeu m'aime. Bon, alors ça, on va détruire. Du coup. On doit détruire. Et on doit détruire. Maintenant, le fait est, comment est-ce que j'aurais pas dû tout détruire? J'aurais dû mettre un escalier et puis après. Fourche.
Parce que pour mettre ça, du coup, à une plus haute hauteur... Bah, on va commencer déjà plus haut directement, comme ça on sera tranquille. On va commencer... ici. On va la faire grande de combien, la ferme? Parce que là, on est droit, plus ou moins. Là, je peux pas la mettre. Ça, c'est à cause des escaliers. Bah non, là, je peux la mettre. Ok, très bien. Hop. On va la mettre à partir de là. Allez. Hop là. Ok. J'aurais dû... Ouais, j'aurais voulu l'éloigner un peu plus. C'est pas grave. Bon, on est sur du combien, là? 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7... 8... 9... Alors, on en a 3 par ici. 3, 2 mieux. 1, 2, 3, 4... Bon, alors, quoi on va t'enlever? Ah, quoique... On va la faire grande de combien, là? Ça m'ennuie, ce petit chemin, là. Bon, on verra bien. Vous voyez, c'est trop... En fait, pour pouvoir le mettre, on est obligé de le mettre comme ça. Et pour pouvoir rentrer, il va falloir faire des escaliers. Mais normalement, t'as pas d'escalier dans un... C'est vraiment, ça rentre... Enfin, tu rentres direct dedans. On n'a pas... J'en ai visité quelques-unes aux États-Unis et t'as pas les... T'as pas ça, là, comme ça. Tu rentres, point. S'amuse pas à mettre des chemins comme ça pour... Alors, j'aurais bien fait 3. Mais maintenant, je suis en train de me dire... Est-ce qu'on a la porte? Ah, on peut choisir... la hauteur de la porte. Et ça, c'est quoi? Barn, est-ce qu'on peut l'éteindre, cette torche? Parce que... Merci. Je pense qu'on peut choisir la grandeur de la porte. Si j'ai bien compris. Et on a les fameuses portes un peu... On n'a pas les portes... Tu te calmes? Tu arrêtes de tout vouloir te casser comme ça? Si, on a les fameuses portes. Donc ça, c'est sympa. Donc... Mais la porte, il va falloir la fermer. Admettons, on met ça. Est-ce que... Attends, comme... Ah, il y a peut-être moyen de le faire. Maintenant, là, ça va poser un problème. C'est pas assez grand, hein, en vrai. Et est-ce que, éventuellement, on pourrait se dire... On met un... On n'a pas de pilier? Si, on a des piliers quelque part. Si. On pourra peut-être, alors à ce moment-là, faire « Va-t'en, toi ». Ok, les deux vont pas tomber. Faut une porte plus grande, hein, le bâtiment. Si on a fait 3 dans l'entrée, il faut pas non plus que la porte soit de 1. Ça n'a pas de sens. Hop. Est-ce qu'on peut mettre ça? Alors, est-ce qu'on peut le mettre qu'il soit à l'intérieur? Non. C'est pas grave, ça donnera un peu de relief. Non, au-dessus, par contre. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre ce qu'on a trouvé au-dessus? Elle est dangereuse avec ça. Ah, je crois pas. Et si on la met là? Elle est pas tout pile... Ah! Non, j'ai cru qu'elle était tout pile dessus, mais elle l'est pas. Hein. Tout ça parce qu'en fait, le pilier, il est trop à l'extérieur. On va essayer. Et est-ce que maintenant, je peux pas remettre... Non. Ouais, non, ça le met là, ça le met là. Est-ce que si on met les portes, ça se voit ou pas? Ah, le problème, c'est qu'on n'aura pas des portes assez grandes.
Non, on va être obligé, tant pis. Ce sera pas... On va devoir la faire un petit peu plus petite. Ok, on va devoir la faire un petit peu plus petite. On va enlever ces deux-là. Et on va la faire de 3 sur 1. Parce que les portes peuvent pas être gérées en deux épaisseurs. Je pense pas qu'on saura le faire. Non, ici dedans. Ah mais non, on fait ça. Et ouais, non, il me faut la deuxième de l'autre côté. Je peux pas mettre juste un pilier. Déjà comme ça, on va pas savoir gérer les portes, je pense. Parce que déjà comme ça, les portes font du 1. Ah non, t'es sérieux? Oh, mais c'est horrible. Ah. Ça, déjà, je préfère. Pourquoi est-ce qu'il l'a mise à l'envers? Non, t'es sérieux? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais tu me coûtes des ressources pour rien, toi! Vas-y. Casse. Non. C'est une porte. On peut la retirer. Non. Je peux pas la retirer. Et je peux pas la casser. Et confiance, mon enfant. Et confiance, mon enfant, tu ne vas pas racheter ce jeu. Voilà, et la porte s'est encore mise du mauvais sens. J'ai bien fait attention que la poignée soit dehors, et il l'a encore mise dedans. Alors ça me dérangerait pas, sauf s'il n'y avait pas le bout là, en fait. Et quoi, je peux plus rien casser? C'est une blague? Ah, on est d'accord. Merci bien. Non mais maintenant, si je peux même plus détruire les choses sur le jeu, où est-ce qu'on va, quoi? Attendez. Alors, vas-y, viens ici. Ouais. Ah, attendez, est-ce que ça n'a pas à voir avec ça? Gauche. Ok, ça c'est celle de gauche. Est-ce que... C'est peut-être par rapport à ça que la porte se met. Et droite. Et donc la porte se met peut-être directement par rapport à ça. Alors... Alors... Ça, c'est la porte de gauche. Mais non, de nouveau, elle se met mal, là. Hein. Ok, non, ça ne va pas. Ça, c'est la porte de droite. Mais elles se mettent mal, en fait. Où est-ce qu'elles se mettent comme ça? Vous voyez, elle devrait se mettre comme ça. Et encore, même pas. Parce que si, admettons que je la mette comme ça, la poignée, elle n'est pas dans le bon sens. Donc ça, c'est droite. Donc elle est censée être là. Elle la met bien, sauf qu'elle met la poignée du mauvais côté. Alors attendez, est-ce que... Il faut tout simplement pas que je change ça. Donc j'avais mis celui droite à droite et celui gauche à gauche, c'est peut-être l'inverse qu'il faut. Et toi là, pourquoi il y a un poteau en plein milieu? Ok. Ah, c'est un petit jeu de patience hein, pour construire. Vas-y. Une pause yoga? Oui. Ok, on va juste poser la porte avant pour voir. Ok, non, c'est pas la bonne porte. Il y a de nouveau le problème, hein. On va aller boire. Se changer les idées. Ah, je suis désolée, mais là, ça devrait pas se passer comme ça. Elle devrait mettre celle-là. Devrait bien se mettre. Et là, elle est pas bien mise, la porte. Elle ressort.
celui de gauche que j'ai mis là. Et si jamais je place... alors normalement c'est des petites barrières comme ça. Admettons que je fasse ça. Comment la porte est gérée? Est-ce qu'elle passe derrière ou pas? Attends, celle-là du coup? Non, elle passe devant. Ça le fait pas, hein, on est d'accord. Donc là, j'ai mis un gauche à gauche. Avec une porte gauche qui se met mal, d'office. Je sais pas, hein, là franchement, je sèche. Ou alors la construction est mal gérée, ou alors il y a un truc que je comprends pas. Ah, c'est sympa ça, des petites, des grandes comme ça de deux. Ça c'est pour l'intérieur. Ça va être pour l'intérieur. Les portes sont par deux et t'as prévu d'en mettre trois. Mais ça c'est pas grave. Parce qu'au pire, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'allais en fait mettre une porte, mais pas la possibilité qu'elle se ferme. Du fait que je veux une 3 parce que je veux que ce soit impair, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais je ne veux pas deux fois deux portes ou je ne veux pas deux portes. Je veux un emplacement impair. Ouais, déjà, c'est mal géré là-bas au-dessus. Mais en même temps, c'est deux gauche et deux droit. C'est deux gauche. Ouais, c'est deux gauche. On va remettre le droit pour voir. Ah. Ah ben voilà. J'allais dire, tu crois que j'ai que ça à faire? Et voilà, il y a quelqu'un qui a réglé le problème pour moi. Parce que j'ai un gros problème avec les symétries dans les jeux. Et là, en vrai, là c'est génial. Là, ça le gère bien. Ouais, ça me pose un problème. Hein. Et tant pis, on va la laisser comme ça parce qu'on va pas rester, on va pas passer le live là-dessus. Mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça pour le moment. Et on changera. Est-ce que je peux mettre les portes vont aller où alors? Dans quel bâtiment? Dans quel ah là. Ça, on la mettra derrière. Une petite. Ça y est, j'ai répété un câble. À cause de quoi? Oui, mais si tu multiplies par la racine carrée de... Oui, d'accord, j'ai compris. Donc, petite fenêtre, ici. Ensuite, là, on va partir sur un mur plein. Oh, mais c'est horrible, ce bruit derrière. Mais ces machins, là, c'est horrible. Mais tuez-les. Mais en vrai, tuez-les. Alors, on va fermer. Est-ce que ici derrière, oh, c'est des demi-fondations. Ça, c'est des murs. Alors, comme d'habitude, hein, on fera tout sauf les toits. Je m'amuserai une fois à faire les toits, mais je sais pas quand. Alors, c'est comique. Je peux pas mettre le triangle là-bas au-dessus. Ah, pourquoi pas. Bon alors, on va faire le sol à l'intérieur. Si on arrive à monter. Voilà, si on arrive à monter. J'ai plus ce qu'il faut en ressources. Qu'est-ce qui va nous manquer? Planches et lingots de fer. C'est les planches qui vont nous manquer. C'est pas grave, les planches, on va avoir ce qu'il faut. On en a mis en craft beaucoup. Qui te dit que je vais pas plutôt aimer ça et que donc ce ne serait pas une punition. Je ne veux pas savoir ce que Agonos
et Casta vont faire, je ne veux pas le savoir. Par contre, je veux bien être marraine, hein. Moi, je le dis toujours, hein, s'il y a des viewers qui se marient en se connaissant sur mon chat, ou qui font des bébés en se connaissant sur mon chat, ou quoi. Je veux bien être marraine et je veux bien être témoin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on n'a plus de lingots de fer non plus, en vrai. On n'a plus de lingots de fer non plus. Ça va coûter cher en lingots de fer, hein, cette petite bêtise. Je suis trop lourde. On y va à cheval. Tom, tadadam, tadadam, tom, tom, tadadam, 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 tom, tom. Ça va pas être trop petit, vous pensez, comme étable? La plus grande habitude. Pardon? Enfin, je pense que c'est assez large, non? Peut-être avec une. Tu élargis encore de un de chaque côté, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, vous aussi? Peut-être à faire en longueur. Bah, ouais, ces fermes-là sont pas beaucoup plus longues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont un petit peu plus longues que l'arche, mais... Après, concrètement, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Bah, normalement, là-dedans, c'est les chevaux que tu mets là-dedans. Hein. Non, c'est les chevaux non et... C'est plus un corral en extérieur, les chevaux? Toi, tu tiens à ton corral en extérieur, hein? Bah, en fait, il y a des cowboys dans le Far West. Oui. Du coup, bah, ils ramènent les chevaux dans les corrales. Oui, mais en même temps, les chevaux du village, on doit les mettre quelque part. Pas forcément dans le corral, puisque dans le corral, si c'est pour faire vendre les chevaux et tout, on fait quoi? Ils vont acheter nos chevaux et puis voilà. Bah non, ils vont acheter nos chevaux. Après, normalement, il est censé avoir de la place pour deux chariots, quelque chose comme ça, ou un chariot au moins. Oh, les chariots, on les a pas fait! C'est vrai que je voulais mettre un chariot de décoration. Le truc absolument pas utile, mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gens? On l'a fait. Va à l'église et fait trois prêtres. Écrit chorale. C'est vrai. On l'a fait plus grande ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais voir. En vrai, elle est déjà bien grande, hein. Sur le chat, ils dorment. Ou alors, ils se font des punitions. Ah non, je peux pas aller. Ah. Rentrer en cheval sans se cogner la tête, c'est déjà ça. Là, je t'avouerai que j'ai pas vraiment beaucoup le choix, hein, sur... Si on y arrive ou pas. J'ai voulu faire la porte plus grande, j'ai pas pu, donc... Bon, c'est déjà pas mal. Enfin, je saurais pas. Déjà, quand je vois le problème que j'ai pour... Ah, j'ai plus de ressources. Quand je vois déjà le problème que j'ai pour gérer les une porte à une hauteur comme ça, alors deux... Je cherche pourquoi tu mets la fonda... Tu mets la fonda dans le trou? Ah, parce que j'y arrive pas, en fait. C'est tout simplement parce qu'elle veut pas se mettre dedans. Il me faut des ressources. C'est tout simplement parce qu'elle veut pas se mettre, en fait. C'est pas que je ne veux pas, c'est que le jeu ne m'aime pas. Et comme le jeu ne m'aime pas, eh bien, il ne me laisse pas mettre la fonda dans le trou. Je sais pas si c'est le cheval de qui, mais je l'ai pris. C'est pas grave. Je fais juste un aller-retour et je suis là. C'est vous le cheval. Hop là, on n'a plus de lingots de fer, c'est ça le problème? Ah ouais, on n'a plus de lingots de fer. Ah ben, il va en falloir beaucoup plus, hein, parce que là, j'en ai utilisé 300 pour faire tout ce qui est là. Oui. Je suggère de racheter une mine. Racheter une mine? Oui. On n'a plus. J'ai plus que 19 pièces, donc on n'a pas. À moins qu'il y ait encore de l'argent, mais... J'ai encore des lingots qui sont en cours de fabrication. Alors on peut... ton cheval est là, Kirani, je te l'ai ramené. J'ai pas pris des planches! Si, ça va, j'en ai.
Très bien. Je ne peux. On va réessayer, hein, mais. Alors, est-ce qu'il y a un truc à ramasser? On n'aurait pas vu. Voilà, tu vois. Chaque fois que ça passe vert, c'est parce que je clique. Et il veut pas. Enfin, chaque fois que ça passe rouge, il se dit. Non, non! Non, non! Tu ne peux pas! Nous, on en a 4. Allez-y, alors, rachetez. On peut y aller. Oui. On peut tricher. C'est pas des triches. C'est pas des triches, mais. C'est un investissement quand même, parce que j'ai le faire. En fait, plus on a de mine dès le début, et plus on aura de l'argent sur. C'est ça. On aura du fer surtout, vu que ça part tellement vite aussi. Par contre, vous pouvez pas me tuer ces poules là, parce que. Elles commencent à me porter sur le cerveau là. C'est vrai, on peut. Non, on peut pas. 2, 3, 4. Non, on va se faire engueuler par Nanou. 6, 7, 8. En même temps, Nanou elle est pas là, hein. Moi je dis, les absents ils ont toujours tort, hein. Elle avait qu'à être là. Est-ce qu'on peut cuisiner une poule, tiens, d'ailleurs? Essaye. On a les œufs, à mon avis, qu'on doit cuisiner. On doit pouvoir cuisiner quelque part. Alors. On va y aller à reculons. On va faire à chaque fois qu'on va mettre. Alors, ça, c'était la grande. Ouais, ça, c'est ce qu'on va mettre là-bas derrière. Non, parce que c'est du 2, évidemment, on peut pas. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Arrête! Qu'est-ce qu'on a ici dedans? Ça, c'est les portes. On peut pas mettre le silo. Alors, ce qu'on va faire, on va faire fenêtre. Un mur. Fenêtre, un mur, fenêtre, un mur, fenêtre. Et on fait quoi en fait? Deux par enclos? Une fenêtre et un mur par enclos? Pourquoi pas? Hop. Ok. Fenêtre. Ça nous ferait 3 enclos. Ça nous fait 6 enclos. On est pas mal déjà avec 6 enclos. Alors, ici, on va faire. Je sais pas si on met des. On met des petites portes normalement, hein, chez. On va faire ça. Et voilà. Alors, on a la petite porte ici quelque part. Je vais la mettre parce qu'elle est toute belle. Ouais, elle est toute jolie. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui peut faire juste un aller-retour pour aller me chercher tout le fer et. C'est le fer qui me manque là ou c'est des planches? Des planches. Ouais, j'y vais. C'est gentil, merci. Je vais mettre un coffre ici dedans pour déposer. Okay. Voilà. Comme ça, je regarde un petit peu ce qu'on peut faire pour le reste. Là. Ah mince. Ah, des lingots de fer aussi, il manque. Mais attends, j'en ai 48. J'en ai encore combien de lingots de fer? Bon, ça va, les lingots de fer, j'ai... Ah, mais en fait, il me met rouge. Qu'il m'en manque un ou deux, il me met rouge sur les deux. Ok, très bien. Oh, ça, c'est vrai qu'on va pouvoir le placer aussi. Donc, on va faire ça. Ici, au-dessus, on va replacer une rangée. Alors, attendez. Comment est-ce que on gère... Ça va se gérer avec des petits triangles. Ça va se gérer avec des petits triangles. Je propose qu'on la fasse encore. Ah, je peux pas. On va devoir attendre. Attendre Hunter. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre les abreuvoirs quelque part déjà. Est-ce qu'on peut pas mettre les abreuvoirs là? Et est-ce qu'on peut pas se faire... Normalement, je dois avoir sur moi... Ah non, j'ai même pas. Ah, j'ai même pas pris de bois sur moi. Très bien. Donc, tu l'as mis où? À l'intérieur. Ah oui. Hello.
Iman Animal 2, bienvenue, merci pour le follow. Hunter en jupe. Si, elle nous voit pas. Comment ça, elle vous voit pas? Comment ça, elle vous voit pas? Faudra que je demande à mon mari s'il est d'accord avant. C'est un détail, ça, Casta. Tu lui diras que c'est pour du faux et que c'est du RP. Contre les lingots, j'en ai remis à fond. Ouais. Un petit peu. Ouais, on peut en remettre tout plein parce que là, on est loin d'avoir fini. Et, je crois qu'on peut, on pourra pas la finir aujourd'hui. On va partir sur la même disposition de l'autre côté. Donc, pas fenêtre. Fenêtre, on a trois fenêtres. En vrai, ouais, allez. Trois fenêtres. Par contre, là, on va partir sur un mur plein. Et là, je sais pas comment mettre cette fondation là, du coup. Ah! Faut pas chercher, hein. Voilà, faut pas chercher. C'est bien comme ça. Alors, on va essayer de passer sur la hauteur, travailler sur la hauteur. Alors, les trois ici, de toute façon, vont être deuxième étage. Non! Il va pas me laisser passer un mur là. Il va pas me laisser placer un mur là-bas. C'est une blague. C'est une grosse blague. Ah. Ouf. J'ai failli faire le caca nerveux. J'ai failli, hein, mais ça va, je me retiens. Mais je me retiens. Ensuite, ici, on peut faire... Non, on peut pas faire ça du tout, en fait. On a des murs... Je prends de l'argent pour acheter la mine T2. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, si on part sur le petit côté, on a un mur pour mettre à côté. Ouais, on a un mur pour mettre à côté. Et on part sur le petit côté. Très bien. Ensuite, ici, je voudrais ça. Ça. Et des murs grands comme ça. Et alors, là-bas. Ok, très bien. Et là... En vrai, c'est ça, mais ok, on est bon. On a le pattern. Le problème, c'est que ça va être tout ça, mais au-dessus de ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué, par contre, là, pour les récupérer. Bon, si on casse tout, on devrait pouvoir le faire. Par contre, je suis en train de me demander... Juste comment je vais aller mettre les trucs au dernier au prochain étage. Mais c'est pas grave, ça c'est qu'un détail. J'y arriverai. Pas de soucis. On va faire ça. 4. Non, attends. Là. Là. Comment est-ce que je vais gérer sur les côtés? Y'a pas un truc entre les deux? Non, y'a pas un truc entre les deux. J'aurais voulu un truc... Beaucoup plus haut et beaucoup plus droit. Mais il n'y aura pas. Ouais, on va faire ça comme ça. Non ? Non, on me dit pas que j'ai déjà plus de ressources, hein, parce que là, c'est pas possible. Là, parfait. 9 mois, merci Lélie. Quel radin, bah, c'est déjà bien ça, écoute, c'est déjà bien gentil. Good evening everybody! On t'attend, hein? On t'attend, Loli. Donc, on me rappelle, j'avais fait... Mince, j'aurais pas dû couper. J'avais fait quoi?
J'avais fait d'abord le petit. D'abord le petit. D'abord le petit, j'avais fait moitié. Dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. J'avais fait un demi. On n'a plus de place. On n'a plus de bois. On n'a plus ce qu'il faut. On n'a plus ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, il nous manque les deux. Comme ça, tout le monde est content. Je sais pas comment j'ai fait. Il manque et le fer et le... C'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'il faut du fer pour tout, même pour ça? Lingot de fer et planche. Lingot de fer et planche. Ça, il nous faut quoi? Planche et lingot de fer. On va poser ça. Au moins, aujourd'hui, on pose ça. Et ça, c'est des planches aussi pour faire ça? Attendez. Parce que si c'est juste des planches, est-ce qu'on ne peut pas les mettre? Non. Est-ce qu'on peut pas les mettre à partir de là? Non, t'es sérieux qu'il faut que je fasse des fondations pour ça? Ah, ah, ah! Oui, mais là ça va parce que j'ai celles qui descendent. Ouais, évidemment. Et ici, je pourrais pas le mettre. Non. Ouais, il me faut des fondations. C'est moche, c'est mal fait ça, je trouve. Est-ce que maintenant les fondations ici sont moins chères? 5 et 3? Non, elles sont pas moins chères. Ça revient pas moins cher parce qu'il faudrait que j'en mette au minimum 3. Ce serait plus fin si je pouvais les faire comme ça. Mais de 1, je les aurais pas bien droites. Il manque en fait une... Ou alors je les mets comme ça, les unes à côté des autres. Je pourrais pas en fait. Je les mets comme ça et on laisse les triangles. Non, les triangles, ça va pas être beau. Et si on fait des fondations en bois normal? Si on fait ces fondations là, ouais, on va voir la pierre en vrai. Ça va pas être beau. Elle est trop près du chemin, je trouve. C'est pas grave. Donc il va falloir mettre des fondations comme ça partout. C'est un peu ennuyant. J'ai pas encore décidé, j'ai plein de chaînes de prod à modifier sur Satisfactory. En même temps, 9 mois c'est égal à un bébé de mignon. Tout à fait. Mais qui a dit que 9 mois c'est un bébé de mignon? Ça se trouve, t'as déjà 3 bébés de mignon parce que c'est peut-être 3 mois. On n'en sait rien. Normalement, plus les êtres sont petits, moins de temps la gestation. Ouais, un mignon c'est pas très grand. Hein. Ça m'ennuie ça. De refaire la... Ou alors... Attendez. Est-ce que on peut pas faire partir directement la scie? C'est vrai qu'elle est sympa parce que ça va avec la... Ça va avec la plan... Avec la grange, les barrières. Mais si on faisait partir ces petits trucs-là de là-bas et qu'on mettait le truc de vache tout simplement et on est tranquille. On va faire ça. Bon, ici... On ne sait plus travailler là-dessus. On ne sait plus travailler là-dessus. Parce qu'on n'a pas les planches qu'il nous faut. Donc, avant le prochain live, il va falloir qu'on vienne et qu'on farme. Je voyais bien un petit truc dans le style pour essayer de monter à l'étage. En vrai, c'est pas plutôt ça qu'il nous faudrait. C'est plutôt un... Espèce de petite pas de ficelle, mais ça c'est des les fenêtres, t'es sérieux? Bon, on va pas mettre des fenêtres, si. Alors ça, normalement, il faut des lingots de fer aussi pour les deux. On pourrait faire ça. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on a un moyen... On a une porte dans ça ou pas? Short, half... Non, on n'a pas de... Barn intérieur d'or. Mais ça, à mon avis, c'est l'équivalent de celle-là. Ça, à mon avis, on a ici... Ouais, on a celle-là. Alors attendez, 1, 2, 1, 2... Ici, du coup... C'est 2, ouais, c'est ça.
On aurait dû la faire plus grande en vrai. On aurait pu la faire mais vachement plus grande. Mais quand je vois combien ça coûte. Elle se met mal. Pourquoi on est reparti sur ce problème là. Mais non, en vrai comme ça va aller. Et ici on viendra mettre j'hésite à mettre ça. Ah, ou alors on mettrait. Je vois bien ça en fait, vous voyez, pour faire les séparations dans des enclos, mettre deux enclos. Là, je mettrais trois enclos. Donc un enclos ici. Un enclos serait un mur et une fenêtre. Donc je mettrais trois enclos. Mais ça me paraît petit. En même temps, on était au Far West. Hein. On n'était pas. On n'est pas dans les écuries qu'on voit maintenant. Donc on pourrait peut-être à la limite partir là-dessus. Il y a des boss maintenant dans les mines. Des boss? J'ai vidé un chargeur ennemi de Winchester sur un gars. Je ne peux pas te dire. Alors par contre ce sera plus décoratif qu'autre chose. Parce que on n'a pas de porte en barrière comme ça. C'est un peu dommage je trouve. Ah, il faut des lingots de fer pour ça aussi? Planche et lingots de fer. Ah ouais, il faut des lingots de fer pour ça aussi. On mettra plutôt... Et on mettrait ça pour fermer. Mais en se disant que c'est statique, quoi. C'est pour décorer. Ça va pas être utile. J'aime pas que ce ne soit pas, pas utile en fait. Parce que c'était sympa en fait de faire une maison de tisserand et tout ça. Mais en même temps, toutes les tables de craft qu'il y a dedans sont utilisables. Donc c'est vrai que ça c'est bien je trouve. Donc c'est dommage d'arriver là-bas et d'avoir une ferme, une étable dans laquelle on peut même pas placer les chevaux. Parce que bon, on n'a pas de porte qui s'ouvre. Alors, ou alors faudrait placer... Celle-là partout, mais celle-là, c'est ça. Faudrait placer celle-là partout, mais celle-là, elle est trop grande, en fait, pour mettre dans une étable. Ouais, corde, demi-mur, ouais, non. Est-ce qu'on a acheté mes poissons? Mes poissons! Et ils sont partis où, mes poissons? Ils sont morts? Si personne ne les a ramassés? Aucune idée. C'était pas non plus, non? Bah, mais bravo. On a perdu des poissons. Il a même pas accepté mon argent. Enfin, il a pas accepté ton argent. Ah! Du coup, Ah! Oh, je crois qu'il y a un cheval qui essaie de rentrer dans la ville. Mais il y arrive pas. C'est le mien. Ouais, ça doit être le cheval à veiller, ouais. Mais donc apparemment... Il est plus haut level que moi. Apparemment, il y en a et ils sont pas simples à tuer. Et on peut le faire boire, lui? Ou pas? Attends. Est-ce que je peux te faire boire à partir de là? On a l'option? Non. On peut les faire boire uniquement à partir d'un truc d'eau. Moche ça! Dans un puits, on pourra en vrai les faire boire. Oui, il y a une collection de chevaux ici. Alors, faire boire cadeau à Lins. Ah, mais c'est Mustang que j'utilise. En fait, moi je prends n'importe. Le premier que je trouve, je monte dessus. Voilà. Et ne sortez pas ça de son contexte. Mustang Horse. Attends, viens ici toi. Attends, retire-toi de là. Dans le de l'enchère, il y a les deux poissons. Ah, moi je l'ai pas vu. Dans quoi tu dis? Tiens, en fait, il y a deux ongles là, il y a Auction et History. Attends.
Quarter horse. Attends, quarter horse, il faudrait qu'il boive. C'est toi. Ok, très bien. Toi, t'as un peu faim, t'as un peu faim. Et toi, tu as très faim, Tonnerre. T'as très soif. Ah, bon, bah. Oh, mais arrête de monter dessus. Tonnerre, il est sympa, par contre. Tonnerre. Voilà. Et Tonnerre, il est beau aussi. Allez, toi. Je voudrais... on va retourner ici. Dans la... Pété. Non mais, priorité de gauche. Priorité de gauche, s'il te plaît. Priorité aux chevaux. Oui, priorité aux chevaux. Je voudrais regarder, normalement, on doit avoir la table qui permet de faire les selles et tout ça. Ça, on va se dire qu'on va le mettre dans la barne, dans le... J'ai vraiment du mal avec cette construction. Bref, vous avez compris. Machin rouge qu'on vient de commencer à construire. Donc la céleri, on va la mettre là-dedans. Et on va recrafter une enclume. Parce que l'enclume permet de faire les... sabots. Fer à cheval. Les fers à cheval. Mais l'enclume, tu l'as déjà? Ouais, et... Ah, t'en veux une autre? Voilà. Pour la déco. Tout à fait. En fait, non, c'est celle du forgeron qui décore. Maintenant, on a besoin du... Ah, maintenant, est-ce qu'on les met dans la barne ou on les met... on fait un bâtiment exprès pour ça? On va toujours les mettre dans la barne, comme ça on les a. Et à terme, on fera une petite maison ici qui sera la maison de celui qui s'occupe des champs et tout ça. Parce qu'on en a besoin. Il faut bien que ça s'occupe. Il faut bien qu'on s'occupe d'eux. Donc, toi, là, et on avait l'enclume là. 4. En vrai, normalement, t'as pas ça là-dedans. Mais c'est pas grave. Hop, 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 hop. Il y a chacun qui se propose aussi d'aider si jamais il y a besoin pour nettoyer les mines. Voilà. Et on a toutes les selles. Maintenant, on peut faire toutes les selles. Avec des fers à cheval en or. Je veux un fer à cheval en or. Non, je rigole. Je n'utilise jamais le même fer à cheval de toute façon. Donc, ce serait totalement une bêtise. Mais... Je me rappelle les fers à chevaux de mon cheval. T'as fait des fers à chevaux en or. Comme ça, toi. Ouais. Tranquille. Et tu t'en fous si jamais tu prends mon or comme ça, en toute impunité, et tu t'en fous. C'est surtout qu'il a pas eu le temps d'arriver jusqu'à coffre. Des quelques malheureux lingots. Bravo. C'est quoi? Nécessite un cheval pour interagir, apporter un pour l'attacher. Oh, et on peut transporter des trucs! Attendez! Transporter quoi? Elle a fait le Attends. Chariot. Ouais. Ouais. Mais comment est-ce qu'on... Faut une selle? Nécessite un cheval pour interagir. Apportez-en un pour l'attacher. Ah, il faut peut-être la corde. Comment on l'attache? Non, non, il n'y a pas. On peut faire des usines dans ce jeu? Non, bah, le lit. On peut faire des mines. Et toujours pas de chaussures. Ouais, j'y ai pensé. Je crois que je les ai craftées. Hier. On va peut-être penser à aller les chercher aujourd'hui et on pensera les porter la prochaine fois. On va faire ça comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour l'attacher? En même temps, le chariot, je crois que je l'ai mis à l'envers. Là, le truc pour l'attacher, il est là. Et en même temps, c'était décoratif à la base. Mais cancel et destroy. Bon, je crois qu'on en refera, hein, parce que celle-là, je crois qu'on peut pas faire, on peut pas beaucoup l'utiliser. Parce qu'on a de la toile et 30 cordes, on peut faire les autres. Un wagon d'eau, transport de l'eau, une diligence pour transporter 6 joueurs
Et le wagon couvert. Allez, dis-toi les 30 cordes, on doit avoir ça quelque part. On va faire ça. Hop là. Dis-toi les 30 cordes. Calme-toi, calme-toi. Chez le tailleur. Du coup, 10 toiles. Monsieur le tailleur, s'il vous plaît, pouvez-vous... Je crois qu'il est parti chercher son enfant. Non, 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 lui, il n'a pas d'enfant. C'est le, l'épicier à côté qui a 3 enfants. Donc, voilà, 10 cordes. Voilà, débugger le chariot, on l'a. Non, mais chut, chut. On va faire le suivant. Comment t'as fait débugger le chariot, toi? Tu l'as pas touché? Tu l'as bougé? J'ai mis mon cheval avec ta selle. Donc, voilà, il mais non, ça décorait. Bah maintenant ça a décoré partout. Mais et quoi, c'est parce qu'il faut une selle, non? Ouais, sûrement. Ok, c'est la selle le problème. Ah c'est sympa. Il y en a plein dans les coffres. Et on peut charger beaucoup en fait. Et on peut... Oui, vas-y, attends. Vas-y. Oui. Oh, trop fort. Génial. On a un petit peu fusionné, mais sinon... Ouais, bon, ça c'est... Et est-ce qu'on peut... Vas-y. Là-bas, il y a... Non, il n'y a pas de loup. Je veux voir si on peut tirer en même temps sur des trucs. Allez, au galop, au galop, au galop. Tout droit. Ah oh ouais, nice. Je manège. Attends, je voudrais voir si on peut tirer sur les trucs, si on peut... Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de... De brigand, il n'y a pas de truc. Pas un truc. On fait une victime sur laquelle tirer. Ça commence à ressembler à Alexandria, mais sans base de défense. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins. C'est plus ou moins ça. Bon, et là, il nous faut la petite musique. La petite musique qui va bien avec. Hein. Attendez. Est-ce que je peux? Je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Attendez. Il me fait pas tomber, hein? Attention que je te vois, hein? Je suis plus sur le truc, mais je te vois. Hein. On a toujours pas fait de boutance. C'est vrai. T'inquiète pas, on va la faire. En plus, c'est du bois, donc ça, on peut la faire maintenant. Je vais tomber. Voilà! Elle peaufine son. Son petit bronzage. Hein. En fait, en pêche, quand tu dois transporter des marchandises et que. Tu as peur de te faire attaquer, c'est l'idéal parce que tu peux venir tuer des trucs comme ça, je pense, à mon avis. Je crois que je dois avoir le chapeau de cow-boy. Ouais. Mais en même temps, tu portes plus qu'un cheval. Avec les selles, il y a une place. Ouais, il y, y a un sacré inventaire quand même là-dedans. Ah, je peux pas aller dans l'inventaire tant que je suis dessus. Bon, bah, je crois qu'il y a rien à tuer. Hein. Oh, sinon. Oh, sinon. On. Non. On peut, hein. Là. On pourrait. Puis moi que ta maison construite à un tiers avec une grille et une bétonnière. Oh, j'avoue, ça sur Alexandria c'était tellement top. Bon, ben je crois que tu peux me ramener en ville, s'il te plaît. on a fait le tour, hein. Ouais, y a pas un animal tout près. Non, y a pas. Vous avez trop bien travaillé avant. Tant pis. Vous ramenez la bandit. Ah, bandit, bandit, bandit. Je vais réussir à mourir, c'est pas grave. Je vais aller là-bas à droite. À tribord. C'est gauche ou tribord, je sais plus. Bref, tribord, on s'en c'est fout. Droite. Ah, c'est ouais, bien. En face, on voit. Alors, en bougeant, c'est pas facile, hein.
Par contre, on peut tirer. Mais c'est pas évident. Ah, je lag. Ce qu'il est. Ouais, mais le but c'est que tu t'arrêtes pas. Mais ah, mais j'arrive même pas à le toucher. Bon, attends. On va passer aux choses sérieuses. Il est où? Derrière. J'ai plus de balles. Non, même pas drôle. Fuyez. Non, on veut pas fuir. On veut le tuer. Oui. Ah, pardon, j'ai perdu le casque. Tout va bien. Tout va bien. Ah. Eline s'inventa la combi de flic. Comment ça? Hop là. Attends, est-ce qu'on peut... Il porte... Dis-moi que t'as un petit cadeau ou quelque chose. Voilà, attends. Voilà. Où est-ce qu'on va lui mettre? Qu'est-ce qu'on peut... Là. Là. Voilà. Au moins, maintenant, on a quelque chose à transporter. Voilà, c'est bon. Après 150 flèches, on peut rentrer au bâtiment. On rentre avec le cargo qui est sécurisé. On peut y aller. On peut y aller. C'est bon. T'as le fait. Si c'est pas du tout western, hein, par contre. Et les chasseurs, les transporteurs de l'Ouest reviennent après de grandes aventures. Et voilà. Par contre, c'est un peu bizarre hein, d'avoir... Ça fait un peu la personne, vous savez, qui va aider les magiciens, là, et qu'on lui coupe le tronc pour le show. C'est ah. Ça fait un peu ça, quand même, je trouve.